Hey, bonjour les petits aventuriers fans d'Heroic Fantasy, fantastique, médiéval, tout ça dans un shaker et ça donne Dark and Light, un jeu sandbox de type Ark, avec bien sûr ses subtilités, ses différences. Je ne suis pas très loin de la capitale des humains, on peut l'observer au loin dans la brume, il y a le château fort de la ville. Et cet épisode-ci va être un peu dédié à de l'exploration. J'ai envie de me promener un peu dans le monde, de découvrir un petit peu les paysages. En même temps, je vais farmer un peu parce qu'il me faut quelques petites fleurs pour remonter mon focus. Il y a mon focus qui est au niveau moyen, c'est-à-dire que j'ai la moitié de ma barre de vide. Et pour cela, il me faut quelques fleurs. Et en plus, il pleut, super. Alors moi qui voulais vous présenter ça avec du soleil, il y avait du soleil quand je me suis connecté. Et puis maintenant, il fait tout moche. Donc bref, cet épisode, ça va être un peu d'exploration, d'aventure pour découvrir un petit peu les maps du jeu et trouver un endroit où on pourra éventuellement se poser afin de construire sa première petite maison. Ça pourrait être sympathique. Ouh, ce buisson m'a l'air d'avoir plein de fleurs. Ou pas tant que ça finalement. Et du coup, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas sur quoi on va tomber. Déjà, rien que pour arriver ici, j'ai dû tuer quelques bestioles parce qu'il y a des routes, hein. Mais les routes ne sont pas très sécurisées. On va dire ça comme ça. Allez, on va retourner. Ah non, je vais encore farmer quelques fleurs ici. Hop là. Et normalement, on a de quoi remonter un peu son focus. Dès que j'arrive sur la route, je m'occupe de ça. Voilà. Alors, on a combien de fleurs du coup? 40. Bah écoute, on va en bouffer jusqu'à ce que le focus remonte. Ouais, on était à peu près à 50. Puis c'est cool, ça remonte la bouffe en même temps. Allez, on mange tout. Ah là, on a tout bouffé. Et là, on a un focus qui n'est pas remonté au maximum pour l'instant. Mais pour l'instant, c'est suffisant pour faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire explorer. Alors, on va se dépêcher avant qu'il fasse nuit. Il est 16h56 dans le jeu. Quand il fera nuit, je me ferai un petit feu de camp. Et je couperai le record à ce moment-là parce que je vais patienter, je vais pas vraiment explorer pendant la nuit. C'est un petit peu trop dangereux. Mais pour l'instant, il fait jour, donc on va pas s'embêter. Oula! Ok. Au secours, j'ai un loup au cul. Je ne sais pas jusqu'à quelle distance il va me suivre. J'espère pas trop loin. Parce que ça m'embêterait de crever dès le début de la vidéo où je commence mon aventure. Ah, il y a des loups partout. Oh merde! Oh, on est dans la merde. Fuck, qu'est-ce qui m'a pris de vouloir explorer? Ah, le loup a l'air fatigué aussi. Ah mon dieu, mais il y a des bestioles partout! À l'aide! C'est bon, je pense que là c'est bon. J'ose même pas me retourner. Oh my god! Non mais dites les gars là! Oh 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 oh! Non, 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 je vais tout perdre! Battez-vous entre vous s'il vous plaît! Putain, non! Oh là là. Ok, l'exploration, c'est pas mon truc. Mais j'ai pas envie de faire une maison à côté de la capitale. Alors moi, je suis mort ici. Ok. Ça va être chiant de revenir. Est-ce que je peux prendre ce truc là? Centaure campement sous le node. Campement. Est-ce que je peux réapparaître ici? Non, je peux même pas. Ah putain, je vais devoir me taper un chemin, mais d'enfer. Oh là là, ça va être la galère, mes amis, ça va être la galère, c'est moi qui vous le dis. Bon, bah, respawn random location, je vais respawn à la ville, hein, bien évidemment. J'en suis sûr. Bah voilà, et c'est qui est à poil? Bah c'est Fouflet. Ah, fuck la police. Crotte, je suis dépité et dégoûté, j'ai tout perdu. Oh là 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 là. Oh, il y a des cadavres. Il y a des corps. Il y a peut-être des trucs à l'intérieur des gens. Non, il n'y a rien. Tiens, t'as pas du stuff, toi? Ok, bon, on va se servir. Alors, je vais prendre. Bah, je vais tout prendre, en fait. Je suis une pute. Ah là, merci. Du coup, j'ai tout récupéré et j'ai même de la bouffe. C'est merveilleux. Fallait pas se déconnecter ici, mon ami. C'est très dangereux. Bon, je n'ai plus ma merveilleuse armure, hein, bien évidemment. Mais c'est pas très grave. Alors, du coup, on ressort de la ville. C'est reparti, mon kiki, pour un tour. Eh bah, ça fait... Bah, j'ai pas eu le temps de lire le chat, c'est pas grave. Du coup, par où on pourrait aller? Ah, peut-être plus du côté de la côte et longer la côte, ça pourrait être sympa. Ah, on pourrait peut-être faire ça. Ouais. Je vais équiper ma boule de feu. Voilà, ça sera toujours mieux. On va mettre le bâton. Parfait. Ok, bon bah du coup, le focus est bien remonté. Ah, il y a peut-être des trucs là-dedans.
Ça doit être la météorite qu'on a vu tomber tout à l'heure. Tiens, je vais prendre ça, moi. Voilà, merci. Parfait. Oh bah, je fais mes achats, je fais mes emplettes. Du coup, comme on n'a pas de map à part celle craftable, dont je n'ai pas le niveau, je vous le rappelle, c'est pas facile de savoir où on peut se rendre et où on peut aller. J'ai aucune idée du type de base que je voudrais. Tout ce que je sais, c'est que je veux des jolis décors. Je veux que ce soit beau quand je me mets par la fenêtre et que ça me fasse rêver. Tout en restant si possible dans le territoire des humains, parce que j'ai pas envie de me faire fracasser par les factions adverses. Ah oui, c'est du trifaction, les amis, pour ceux qui n'ont pas suivi. Ah, là, il y a du bestiaux ici. Allez, on va se le faire. Viens là. Garnement. Faut que je me refasse un stock de peau et de fourrure. Ah, t'es level 40 quand même, hein. Merde, j'ai plus de mana. Non. Au secours. À l'aide. Aidez-moi. Pouf. Merci, Seriala. Oh, oh, sorry. Comment je change le chat? Ouf, ça va. Ok, c'est chasse dire. Ah, oh, je suis une nudité. Ah, je suis nul. Ah. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'elle a vu que je voulais la remercier. Oh mon dieu. On se moque pas. Bon, bah du coup, on va tuer cette bestiole. Et du coup, merci à elle. Quand je pense que je lui ai envoyé une boule de feu alors que je voulais juste cliquer sur le slash pour mettre en local, mais ça n'a pas marché. Tu m'as sauvé la vie, je te remercie. Voilà, au moins là, elle voit tout. Allez, on fait le plein. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Tout fait flipper dans ce jeu, c'est abusé. Ok, c'est reparti. Alors, on a quelqu'un qui a fait une toute petite maison ici. Toute petite riquiquite la maison. Oh, c'est plein de lapinous. Enfin, il n'y a qu'un mur ou il y a une maison? Ah, c'est un fake. Quelle magnifique maison, mes amis. Bon, du coup, on va essayer de s'aventurer un petit peu. Quelque chose me dit que ça va pas être facile. Alors je m'y prends peut-être à l'envers, hein. J'aurais peut-être dû faire comme tout le monde, construire une maison à côté de la capitale. Mais j'ai pas envie de dépenser des ressources, du temps et des efforts incommensurables pour m'installer à côté de la capitale, là où tout le monde est. Moi je veux un endroit gentil, rien qu'à moi, où personne me marche dessus, où personne vient couper mes arbres, où personne me trouve. Je veux de la solitude. Qu'est-ce que c'est? Ah, putain, il m'a fait peur. Ouais, tout le monde s'installe vraiment à côté de la capitale. Hein. Ici, nous avons un baraquement en formation. Très bien. C'est à qui? C'est à la tribu Offsiders. Le mec, il a créé une tribu, il a mis son nom dans la tribu. Oh, il y a un Ent là-bas. Un espèce d'arbre géant qui marche. Mais on va pas s'en occuper. On va poursuivre notre chemin. Il est 18h58 hein, dans le jeu, attention. La nuit va bientôt tomber. Quelque chose me dit que ça va pas être joli joli. Oula, j'ai eu peur. Par contre, l'exploration, je vais pas vous mentir, quand j'explore le monde, bien que je sache très bien qu'il y ait beaucoup de dangers, j'ai beaucoup moins peur que dans Ark, où il y a des dinosaures partout. Je sais pas pourquoi. Oh, il y a une fofolle. Bonjour.
Ah non, mais t'es level 76 là, oh! Ah mon dieu, il y en a partout! Merde, je peux pas grimper. Foutez-moi la paix! Je peux pas grimper là-dessus? Merde, je peux pas grimper là-dessus. Et sur celui-là? Là, je suis en hauteur. Voilà. Bon, bah, ils ont pas l'air de m'avoir suivi. Oh, bah, c'est cool. Ok. Donc, du coup, on a une espèce de baraquement ici en dessous, au bord de l'eau, avec vue sur la capitale. Ah, oh, sympathique ici. Le problème, c'est qu'il va faire nuit. Mais moi, j'aimerais bien me mettre un peu en hauteur avec des falaises et tout pour avoir une putain de vue majestueuse. J'aimerais bien savoir c'est quoi ces bestiaux là-bas. Alors, l'avantage et l'inconvénient quand tu découvres un jeu. L'avantage, c'est qu'un rien t'amuse, un rien te fait rire. Inconvénient, c'est que c'est très long parce que tu fais beaucoup de conneries. Est-ce que c'est agressif ces trucs? Je sais pas trop. Ah, il y a un panneau. C'est écrit quoi? Qu'est-ce que c'est? Bienvenue, ami. Ah, c'est gentil. Ça pourrait faire une étape pour la nuit. Un gîte. Est-ce que je peux me... Ah, ils ont carrément en bois, eux. Dites donc, ça farme sévère chez certains. Ah, c'est sympa ici, hein. Mais c'est trop près de la capitale pour moi. Mais cela dit, c'est très agréable comme endroit. Non! Elle m'a retrouvé, la vilaine! Est-ce que si je me mets là... Non! Je sais même pas s'il y a des créatures dans l'eau. J'ai pas envie de tester. Merde. Une hyène. Fuck! Je suis sûr qu'elle peut pas m'atteindre d'ici. Bah du coup, si les animaux ne peuvent pas m'atteindre à cet endroit-là, je peux me déconnecter ici. Ah non, elle peut pas. Hein. Jusqu'à ce qu'elle y arrive. Ah c'est bon, je crois qu'elle m'a oublié. 19h45 dans le jeu, je pense que c'est le moment de faire sa petite pause. Sur cette très belle vue. Voilà. Ils ont une jolie vue. C'est à qui cette maison? Je ne sais pas. Non, faut pas trop que je bouge parce que si je tombe, il y en a une qui va me bouffer tout cru. Ouais, ok. Alors je sais, j'ai conscience, c'est moins dynamique que les aventures de Dr. Horse. Hein. Mais n'oubliez pas que eux, ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Ils sont plusieurs. Ils sont toute une tribu. Moi, je suis tout seul pour découvrir le jeu avec mes deux neurones à moitié connectés. Donc je peux te dire que c'est pas très facile. Cela dit, j'apprécie la vue que j'ai ici. C'est agréable. Très bien. Et je ne sais pas pourquoi, mais lors de ma dernière vidéo, le jeu, j'avais 5-6 FPS en moins. Et aujourd'hui, bah, elles sont revenues. Alors tout va bien. Bref, nous on se retrouve. Quand il fera de nouveaux jours, pour la suite de l'exploration. Ok les petits amis, comme vous pouvez le voir, il fait jour, il est midi passé, j'ai donc dépassé un petit peu sur le timing, je pensais reprendre dès le matin. Je suis allé faire une petite game dans Overwatch, et puis évidemment, qui dit une petite game dans Overwatch, dit plusieurs petites games dans Overwatch. Car oui, si tu ne le sais pas, je suis un player aguerri de ce jeu où j'y passe ma vie. Alors j'ai pas forcément un niveau exceptionnel sur Overwatch, hein. Je suis diamant, je suis pas GM. Mais cela dit, je m'éclate avec mes potes et c'est toujours aussi cool de faire une petite game auquel je ne peux résister. Ah, il y a encore un petit panneau ici. Oh, la belle vue. Oh, le joli freeze. Waouh. Alors, ouais, bah la belle vue. Ouais, c'est sympa, mais je préfère la vue depuis la maison que j'ai vue. Bon bref, on va poursuivre notre petite expédition. Alors, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, hein, c'est spécial épisode découverte, exploration des paysages et des environnements qui nous entourent, pour voir ce que le jeu nous propose. Oh, des ruines. Ça m'intéresse bien. Donc ces choses-là n'ont pas l'air agressives. J'ai eu peur parce que j'ai vu qu'elles commençaient à se tourner vers moi. Oui, un cochon. Et les cochons, c'est bon? Mais en saucisson, sur la route, c'est moins cool. Se faire agresser par un saucisson, c'est jamais agréable. Ok, donc ici, on a pas mal de ruines. Ah, mais il y a des constructions ici aussi. On a des petits filous qui s'installent partout. C'est cool, ça. Pour les personnes intéressées par le serveur, serveur francophone DMFR, il y a le lien dans la description. Serveur PVP avec une touche de RP.
Ils sont, les gens sont à l'écoute de la communauté puisqu'ils proposent régulièrement des sondages pour savoir s'il faut faire telle ou telle règle sur le serveur. Et c'est pas les admins qui décident comme ça d'un coup. Ils prennent vraiment le pouls de la communauté, j'ai envie de dire, et font des sondages. Alors quelque chose me dit qu'ici je vais me faire violer, donc je vais peut-être pas rester. J'imagine bien des fantômes ou des trucs comme ça. Cela dit, c'est très 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 joli. C'est très beau, ces petites ruines. Ces petites ruines me plaisent, mes amis. Mais nous, ce qu'on veut, c'est explorer un peu plus les alentours. Mais j'ai pas envie d'aller. J'ai peur de crever en même temps à chaque fois. C'est sympa ici. C'est chouette. Mais c'est pas là que je veux m'installer. Moi, je fais partie de ces joueurs. Vous savez, il y a des joueurs qui quand ils créent un personnage dans un MMO, par exemple, ou dès qu'il y a un caractère création, passent des heures et des heures à créer leur personnage. Et il y en a d'autres, mais qui en ont rien à foutre. Oula, ça rame, ça frise, pardon. Qui prennent des persos random et voilà, eux, ça leur importe peu. Alors moi, la phase d'établissement d'une base, c'est quelque chose qui me prend un temps fou parce que je veux l'emplacement parfait. Je veux que ce soit beau, que ce soit agréable. Pourquoi je peux pas monter? C'est très pénible. Du coup, je suis obligé de passer par en bas. Et il y a des animouts. Mais les animouts ne sont pas toujours nos amis. Bon, je vais peut-être pas sauter. Ça va, il s'en fout de moi en fait. Donc je peux passer vite fait. Oh, un caribou volant! Oh mon dieu, bonjour! Ah, il est joli, hein, les détails sont bien faits. Pas mal. C'est quoi ça? C'est un loup? Ça me poursuit, ça. Donc faut que j'évite de passer trop près. Oh, ça me démange d'aller voir à l'intérieur. Bon, bah voilà, c'est fait. Oh, la déception! Y a rien. On va éviter de passer trop près du loup. Ok. Petit lapinou. Nice, on a survécu aux ruines. J'imagine bien à la nuit des fantômes popés ici dans ces ruines. Ah, il y a encore une route. Merde, je vais par où? Alors, soit je prends le chemin, soit je longe la plage. À condition qu'il y ait une plage. Il n'y a pas de plage. Mais on va voir la vue. Ah, ce gros caillou me bloque la vue. Ok, on va se mettre en bout de pointe ici, là. Ah, on a une belle vue sur la capitale d'ici. On entend la marée, les vagues. La vue est chouette d'ici. Un peu vide, cela dit. Mais moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin, voir ce qui pourrait se proposer à nous. Parce que j'ai pas envie de dépenser, comme je vous ai dit, du temps et. Bah, du temps. Et des ressources. Pour après me dire, après avoir fait 50 mètres en cheval, me dire, oh! Mais en fait ici c'est encore mieux. Non non, je ne veux pas ça. Donc c'est ce genre de jeu. Enfin moi je ne vois pas les survival. Oula. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Un bruit bizarre. Moi ce genre de jeu c'est un genre de jeu que je ne faste pas. Putain, je parle en anglais, ça veut rien dire. Que je ne rush pas. Oui, enfin, c'est toujours de l'anglais en fait. Mais je savoure. Je prends mon temps, je veux trouver des emplacements chouettes et tout. Et découvrir le jeu au mieux et vraiment avoir un emplacement sympathique que quand je me connecte je me dise putain ce que c'est beau. Alors il y a un petit gobelin, je sais pas quel level il est. 28, ok, on va essayer de se le faire. Ah mais il y en a plusieurs en fait. Je vais prendre mon bâton. Pourquoi j'ai plus rien? Merde. Ah voilà, mon bâton. Ah mais non, mais j'ai plus de rune de feu, je suis con. Merde. Bon ça va, ça tape pas fort ces merdes. Tiens, prends-toi un coup d'épée tortueux. Il est où? Il y a une pesanteur à toute épreuve ici. Ok. On a des os. Oula, ça bouge dans tous les sens. C'est pas très fluide, enfin c'est pas très fluide, c'est pas très, très pratique le coup d'épée parce que ça va pas là où tu veux. Tu vois, regarde. Et en plus, ça marche pas bien. Bon. On va taper à l'ancienne. Il y a un monstre avec une aura violette autour de lui, c'est quoi? Un élite. Ok, bah c'est bon à savoir ça. Aura violette égale foufflé n'y va pas. Bon, ça c'est encore un caribou. Là-bas, ça a l'air d'être une bestiole pas des plus agréables, donc on va essayer de contourner un petit peu. Ce serait dommage de mourir si proche du but.
Enfin, du but. Je sais pas où on va, mais on y va. Et on y va tous ensemble. Ah, moi, je vous embarque. Hein. Alors là, vous êtes dans ma poche, dans mon sac à dos. Oh putain, il y en a partout. Il y en a une là-bas aussi. Putain, je vois pas bien. Ah, elles sont en embuscade, les petites salopes. Et on peut pas grimper en plus. Comment je peux essayer de me dépatouiller de ça? Donc ici, il y a le caribou. On est d'accord? Le caribou, il est là. J'ai vu qu'il y avait l'autre panthère, elle est là-bas. Donc je peux passer par derrière. Ici, sur le côté, elle ne me verra pas, je pense. Putain, c'est une sacrée pente. Hein. Est-ce que je peux passer par ce caillou ici? Oui! Non! Peut-être! Je ne sais pas. Ça a l'air de marcher. Oh, mes mollets sont fatigués. C'est quoi tout ces... Non! Ne tombe pas, Foufflet. Ah là là là! On va y arriver, mes amis! Je n'en doute pas une seule seconde. Ah, voilà. Fallait juste un petit peu de... Non! Me fais pas passer... Putain. Si elle m'attaque et que je crève, je vais être dégoûté. C'est bon, elle m'a pas vu. Fouf! Ah, je peux plus avancer? Ah bah si. Ok. Il y avait une espèce de mur invisible que tu sais pas trop ce qu'il foutait là. C'est quoi ça? Ça donne quoi? Ok, des fleurs, pas de soucis. Ok. Alors est-ce qu'ici il y a du... Oh, il y a de la hyène encore. Hein. Mais j'ai bien envie d'aller voir la vue. Ah, peut-être pas m'y risquer tout de suite. Quelle heure il est? 14h. Il fait pas très beau ici dans cette zone. Ok, bah j'aurais mieux fait de fermer ma gueule pour que ce soit encore pire maintenant. Alors on a bien l'œil ouvert parce que là si je crève je retourne à la capitale des humains et ça m'a l'air super loin. C'est quoi ce truc? Un élémentaire de je ne sais quoi, de terre. Ouh, il y a du bestiau géant ici. Ok. Oh là là, toutes ces créatures, si on peut les attamer ça va être... Oh là là, merde. J'ai eu un freeze et je sais plus où je vais. Par là, je crois. Putain, le freeze de merde. Ouais, je pense que c'est par là. Je pense qu'ici, ça doit me ramener à la plage. Je pense. Je l'espère. Est-ce que je peux aller voir la vue depuis ce gros caillou, là? En espérant qu'il n'y ait pas un monstre géant caché. Non, ça a l'air d'être bon. Allez, je veux voir. Allez, on y est presque. Ok. Alors, on a une petite idée de... Oh! Une ruine! Donc on a une petite idée de l'environnement qui nous entoure. Les gros pics rocheux, là, des espèces de cornes en pierre, ça me fait penser à la map Ragnarok de Ark. Il y a ce système aussi. Donc on a l'air d'avoir des très grandes plaines par là-bas. En effet. Et la plage est au fond. Ok, ok. On va essayer de retourner sur la route. Alors, avantage et inconvénient, quand t'as une map, c'est quand même super pratique parce que dans Ark, bah, tu sais à peu près où t'es par rapport au monde. Et puis après, bah, tu regardes sur une map sur internet par exemple, et puis tu peux trouver des petits trucs sympas. Ici, tant que t'as pas crafté ta map, t'as aucune idée d'où tu es. Tu ne sais rien. T'es à l'ouest. Du coup, c'est pas facile. C'est moi qui te le dis. Donc, du coup, on va poursuivre. C'est quoi? C'est un caillou. Putain, j'ai même peur des cailloux moi. Nyan, vitesse éclair. Ça a l'air d'être bon. Le danger n'a pas l'air présent sur ce chemin. Il y a de la bestiole. Qui ne nous a pas vu, je pense. Donc c'est tant mieux. Ok, on poursuit. Nyan. Là. Ok. Allons voir un petit peu d'ici la vue qui nous attend, voir l'environnement dans lequel on se trouve. Monter par l'autre côté peut-être. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un lapin. Putain, j'ai eu peur. Alors, on a... Ok, on a... Ouh, il y a des bestioles volantes là-bas. Donc on va éviter de s'en approcher. On a une rivière. Oh, il y a des flammes là-bas, je sais pas trop à quoi ça sert. Enfin, ça sert sûrement à rien, mais je sais pas trop ce que c'est. Ok. D'accord. Très bien. C'est moi, j'ai vu une queue. C'était une branche que j'ai vue. Putain, j'ai eu l'impression d'avoir vu une queue d'une bestiole, mais j'ai halluciné en fait. Ok. Donc je me demande ce que...
J'ai des hallucinations, les amis. Je vois des queues volantes. Ah, ça y est, il fait beau. Ok, donc voilà la vue. Le truc de feu là-bas, ça me dit rien qu'il vaille. Je vais essayer de m'approcher un peu plus au bord par là-bas. Non, je pense pas que ça ira. Ok. Où est-ce qu'on peut bien aller? Je ne sais pas. Je vais réfléchir un petit peu. Alors, j'ai regardé vite fait une map sur internet et visiblement, je pense que si je m'avance un peu plus, je vais arriver vers chez les elfes. Et comme c'est du combat PVP entre factions, j'ai pas trop envie de les tenter, ces petits chenapans. Je pense que je vais remonter la rivière, voir si ça donne pas sur un lac ou quelque chose comme ça qui pourrait être agréable à voir. On va checker ça de plus près. Et on retourne sur la route et j'ai pas pensé à regarder s'il y avait des animaux méchants, c'est pas grave. Alors oui, les ombres scintillent, c'est très chiant, mais bon. C'est de l'early access pour l'instant par rapport à ce que moi j'ai connu le premier jour où c'était injouable, où je me suis fait rembourser tellement c'était une catastrophe. Alors que oui, alors j'entends beaucoup de youtubeurs, tu sais, qui font les gars, c'est quand même une early access, vous attendez pas à ce que ce soit. Oui, non, mais ils ont quand même vendu le jeu, hein. C'est pas une alpha, c'est pas une alpha test non plus, c'est une early qui est censée être jouable. Où dans les articles, les devs disaient que c'était tout à fait jouable et voilà. Et moi, c'était absolument pas le cas. C'est très joli cette rivière et cette zone toute plate là. On va essayer d'aller voir un peu plus. Oh là là, ouais, mais les dragons, là, moi, ça me fait peur. Hein. Ah, c'est pas des dragons, c'est des espèces de pigeons. Si, il y a aussi du dragon. Putain, je vais aller où? Oh là là, je vais me faire attaquer, je le sens. C'est des vautours. Et si je longe ici, ils vont me voir, évidemment. Ouais, ils sont là à côté. Ah là 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 là. Ah, je peux même pas grimper sur un caillou. Bon, bon, on va tenter, hein. Chut. Ils font des petits bruits qui me font peur. Allez, on speed. On va pas s'attarder au milieu des monstres volants. Hop. Ça a l'air joli. Ça manque un peu d'ambiance sonore, cela dit, par contre, ici. On va pas se le cacher. Ok, la route a l'air safe. Normalement, on a toujours la rivière hein, qui doit être par là. On va aller voir si c'est toujours le cas. Voyons voir depuis ce caillou ce que ça donne. Elle est bizarre la rivière, celle-là. Ok, il y a bien une rivière, mais alors elle est vraiment... elle s'enfouit. Oh là, j'ai des frises. Ouais. Ok. Alors là, l'environnement me plaît pas beaucoup. Donc je vais longer encore la route pour aller voir un peu plus loin ce qu'on pourrait me proposer. Si ça me plaît pas. Si vous avez vu des environnements plutôt agréables et sympathiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah, t'aurais dû t'installer là, ça avait l'air chouette et tout. Mais dans mes critères, moi je veux pas être collé à la capitale. C'est là qu'il y a tous les joueurs. Et je veux vraiment être dans mon petit espace, genre les aventuriers se baladent et tout. Et oh, il y a un domaine ici. Eh ouais, c'est chez moi, gars. C'est pas chez toi. Dans lesquels je pourrais d'ailleurs accepter des humains qui voudraient venir se réfugier lors d'un long voyage périlleux. Oh bah toi t'as pas peur petit mouton d'être ici. Là, je me dis que si t'as envie ici c'est qu'il n'y a pas de monstre. C'est quoi ça? C'est un caillou. Ok. Il y a deux griffons spawn nains. Ah. Bah les nains c'est pas mon problème. Ce sont les nains, c'est tout petit. Il y a des cascades là-bas? Non, c'est juste du brillant sur du caillou. Ok. Ah, ça va être une vidéo vraiment où il n'y a que de l'exploration. J'espère que vous n'allez pas trop vous faire chier. Mais bon. Là, c'est un jeu de survie avec construction et craft et tout. Donc forcément, tout est long dans ce jeu. Mais c'est bon. Pas pour rien qu'on dit plus c'est long, plus c'est bon. Non, c'est pas toujours le cas, on va pas se le cacher. Ok, là, ça m'a l'air déjà un peu plus feuillu, un peu plus forestier. Ok. On va aller voir au bord... du vide. Ah, c'est une branche d'arbre. Putain, j'ai cru que c'était encore une queue d'animal. Pourquoi je vois des queues partout, moi? Je vois des queues qui sont mortes. Oh, bah, il y a de l'eau ici. Ah, c'est joli. Ça m'a l'air fort sympathique ici. J'aime beaucoup. Ah, c'est pas là que je vais m'installer. Mais cela dit, c'est beau. Une très belle vue. Mais ça gâche un peu. Ah, mais j'avais même pas vu que c'était des sculptures dans la roche. Putain, foufflez-vous tes yeux.
Ah, ça peut être ça. Ah, à mon avis, ça, c'est le territoire des elfes là-bas, non? Je sais pas, derrière, derrière ce mur. Enfin, ce mur, derrière ces statues. Ah, on peut aller passer, on va aller voir. On va s'approcher. Découvert de la map en mode survival de la mort qui tue. Ici, c'est joli. J'aime bien. La route est là. Ok, parfait. Alors là où je serais dégoûté, c'est de commencer à m'installer. Et puis tout d'un coup, pas le temps de faire un lit ou un sac de... Je meurs. Et là, je respawn à la capitale et là, je suis deg. Alors ici, le jeu de lumière est très sympa. Les ombres sont... La luminosité ici, dans cette zone, rend vraiment bien. C'est très agréable. Ah, j'ai une musique du genre elfique. Alors, je sais pas si je suis toujours chez les humains. J'espère. C'est quoi comme animal, ça, là-bas? Non, je vais pas aller voir. J'ose pas aller voir. Ah, c'est très beau, ici. Oula. Tu as vu l'ombre sur le sol. Tu es comme moi. Il y avait un truc volant. Mais je ne le vois plus. Tu me fais peur, toi, là-haut. Ok, on redescend un peu. 17h40, putain. Et c'est pas ici que je vais croiser des maisons, à mon avis. C'est un peu trop éloigné. Est-ce que quand on rentre dans une zone d'une autre race, on est informé? J'espère. Parce que du coup, j'en ai aucune idée de où je suis. Je me sens pas rassuré du tout. On se sent pas en danger du tout. Hein? Ah, elle m'a pas vu. Elle m'a pas vu, elle m'a pas vu, elle m'a pas vu. Elle m'a pas vu, putain. Ah, le cul. À mon avis, j'étais pas à son goût, je dois pas être assez dodu. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme vue? Ouais, c'est moins sympa, là. On va retourner sur la route. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. C'est beau, les couleurs, ici, j'aime bien. Ah là là, j'ai bien fait de racheter le jeu. Merci d'ailleurs. Alors quand je dis des amis, c'est pas des amis IRL, hein, mais aux potes de jeu qui avaient le jeu également et qui m'ont dit que je devais retester parce que le patch avait vraiment changé leur vie. Et merci d'ailleurs, on attend encore un gros patch. Oh, ça c'est des cochons, donc si je vais pas trop près, ça devrait être bon. Ah mais je voulais passer sur ce plateau là, moi. Merde, je me suis planté. Tu m'as pas vu, cochon. Tu m'as pas vu. Et il ne m'a pas vu. Ah, la capitale des humains. On a fait que ça comme chemin, en fait. Sérieux. Tout ça pour ça. Ah non, elle a bu. Attendez, on va se mettre là-haut. C'est un peu désert, ici. D'ailleurs, j'avais une option, je me demandais si elle marchait ou pas. C'était Ground Clutter Apply. Vu qu'ici c'est désert. Non, ça change rien, il n'y a rien. Option. Je vais remettre comme c'était. Apply, save. Ouais, je désactive. Selon les jours où je me connecte, je comprends pas. J'ai pas les mêmes taux d'FPS et tout. Donc il y a des jours où je dois déconnecter des options. Il y a des jours où je peux les remettre. Je sais pas. Je ne comprends pas. Mais c'est pas très grave. Moi, pour l'instant, le jeu est joli et fluide. Contrairement au premier jour où j'étais pas à plus de 30 FPS en moyen, c'était juste pas possible. D'ailleurs, on va demander, tiens, quand on passe dans une zone d'une autre race. Non, je sais même pas s'il y a des zones de race ou pas, je sais pas. Je vais pas poser une question con, j'ose pas. Ah, je peux pas passer là-dessus. Oh là, il y a du volcan. La musique est très jolie ici, très agréable. Oh, il y a des ruines. Ah, c'est beau, ma gueule. Ok. Alors là, on a un point de vue splendide. Tu te fais ta maison ici. T'es pépère. T'as une vue sympathique. Mais niveau ressources, à mon avis, tu dois en chier. Parce que les arbres, bah, ils sont pas tout prêts. Ah, c'est plutôt sympa, j'aime bien ici, hein, le coin. Mais ça me dit pas où je m'installe.
Donc capitale des humains là-bas. Les nains, je sais pas où ils sont. On va continuer d'avancer dans l'exploration. Je sais pas c'est quoi ces grosses bestioles là-bas, mais ça me fait un peu peur. Il y a de la panthère. Oh là là, je sais pas où aller. Je sais pas où aller, les potes. Peut-être retourner sur les montagnes là-bas avec vue sur un volcan, ça peut être beau. Sauf si le truc se met à exploser et t'en fous partout. Bon là, si je tombe, je meurs, hein, on va pas se le cacher. Je vais longer ici encore un peu. Oh là là, c'est beau. Qui me parle? Je ne sais pas, à mon avis c'est dans Battle.net. Mais là, je suis occupé. Alors, est-ce que je peux enlever l'interface? Ah mais j'ai le chat du coup qui s'affiche. Peut-être prendre un screenshot. On va prendre un screenshot. Hop. On va remettre l'interface. Ok. Alors, faire attention parce que moi d'en haut, j'ai vu qu'il y avait de la bestiole. Et c'était pas de la bestiole qui avait l'air des plus diplomates. Ah, c'est sympa l'eau là-haut. Mais ça manque d'arbres ici. Non, 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 je t'en prie. À l'aide. Va voir cette bestiole ici, là. Elle, la mange celle-là, là. Est-ce que je peux monter là-dessus? Oui. Et lui, il pourra pas. Merde, lui, il peut. Nique la police. Non. 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 Ah, oh, putain. Ah, oh, j'étais venu jusqu'ici. Ok, donc maintenant j'ai une idée de la map. D'accord. Ok. Très bien. Parfait. Merveilleux. Ah, oh, non. Et on est loin de tout. Protected. Je peux pas revenir en plus à ces trucs là. Bah non. Ah là là. Résidentiel, palace. Débloque les soldats, ça c'est même pas. Oh non, je suis mort trop loin. Ah. Ah, je suis trop dégoûté. Oh non, 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 je suis dégoûté total. Ah non. Ah, je suis deg. Y a pas un cadavre, y a pas un joueur d'écho là à piller là. Je vous ai déjà volé vous. Oh. Ah ouais, vous avez rien sur vous, vous êtes à poil. Bon, bah voilà. On a fait une très belle aventure, y a plus un seul PNJ dans la ville. Ah, y a plein de joueurs. Ta lumière, toi. Take all. Voilà, t'es à poil. T'es win. Ouais, t'as rien non plus, t'es win. Du coup, dans mon inventaire, j'ai. Je peux pas utiliser ça. Non, j'ai déjà ça. Bah ouais, j'ai déjà. Ok. Bon, bah, la petite séance d'exploration, pour l'instant, on va l'arrêter là, hein. Oh! T'as rien d'intéressant sur toi, c'est pas drôle. Eh ben écoutez, je vais me déco, ici. Voilà, on va fermer la porte. Voilà. Hey.
On la ferme à l'intérieur, on me ferme pas dehors. Voilà. Et on va se cacher. On va se cacher là-haut. Qu'on nous vole pas notre mon arrêt en fait, donc c'est pas très grave, mais bon. Ok, bon, bah on va arrêter la séance d'exploration ici, et puis on retournera explorer encore un petit peu après.